Merci beaucoup. Magnifique. Formidable. Loïc Magnifique, Dottet. Loïc. Bravo. Bonsoir, bravo, Loïc. Bravo, bravo, bravo encore. Sublime. Merci beaucoup. Merci d'être venu soutenir Cap 48. Formidable. Alors, Loïc, à chaque fois que tu es présent sur scène, chaque année, tu m'impressionnes un peu plus. Ben, merci beaucoup. Ah, je te jure, non, je te trouve, mais je suis fabuleux. On a de la chance quand même de te compter parmi les fidèles de Cap 48 déjà. Ça c'est énorme. Alors, le seul titre francophone de ton deuxième album, c'est Monsieur Madame. Et cet album s'appelle Siligomania, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Loïc? Pourquoi Siligomania? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis partie d'un mot qui s'appelle la silogomanie. Et la silogomanie, c'est un trouble qui consiste à accumuler énormément d'objets en fait, dans son quotidien. Et on en accumule tellement, parfois notre maison elle est remplie, on ne peut même plus vivre dedans. Et moi, en fait, j'ai un peu la même chose, mais avec mes souvenirs, mes remords, mes regrets. En fait, j'accumule beaucoup et parfois trop. Et donc, ça m'empêche d'avancer parfois. Et donc, j'ai trouvé que dans cet album, vu que tout était un peu mélangé, c'était un peu comme un gros bordel organisé. Et à titre personnel, je trouve que vivre dans son passé constamment, c'est que ça peut être chouette, mais ça peut être un peu stupide aussi, parce que si on est hanté par son passé, ça nous empêche d'avancer. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis Silly à la place de Silo. Et puis Mania, parce que c'était en anglais. Donc, Siligomania. Harry, on avait dit que c'est un véritable artiste, ça ouais, se confirme. C'est exactement c'est quand ça. Même, ouais. Et alors, Siligomania, certifié disque d'or. Et ça s'applaudit aussi. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Loïc, tu seras en concert dans le pays fin octobre et en mai, des dates déjà sold out, mais il reste des places le 24 juillet 2021 en francophonie de Spa. Les franco de Spa, c'est quand même quelque chose d'énorme. Loïc Notet, vous allez rejoindre le call center. Alors, un petit mot juste avant quand même, peut-être pour nos téléspectateurs qui hésitent peut-être ce soir de donner. Bah, je pense qu'ils n'hésitent pas. En tout cas, si vous hésitez, enfin... Moi, je trouve, en plus, surtout, j'ai rien préparé, hein, donc je vais peut-être dire de la... Voilà, mais c'est pas grave. Je trouve qu'avec, surtout, enfin, par les temps qui courent, on a vraiment besoin d'être là les uns pour les autres. Et on est tous un peu dans la merde, qu'on se le dise pour le moment. Ça nous gave un petit peu tous. Et je trouve que ici, quand on est dans des plateaux qui font appel à votre générosité, on se doit, en fait. C'est même pas une question, je trouve, qu'on doit le faire, on doit donner. Et on doit aider si on peut le faire, évidemment. C'est super important parce que moi, si un jour je suis dans le caca, j'ai envie qu'on m'aide aussi. C'est pour ça que je suis là, ici, avec mes danseurs. C'est pour faire appel à vous et vous inciter à, comme moi, soutenir Cap 48. Voilà. Merci, Loïc. Merci beaucoup, Loïc. En tout cas, ça se passe très bien. Ouais. Parce que j'ai encore fait un petit tour au call center. J'adore prendre les appels. Ouais. Et je trouve ça magnifique. Très doué, d'ailleurs, là-bas. Ah, non, mais j'aime bien. Moi, je peux passer vraiment. D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai envie de leur dire, je ne bouge pas d'ici. Je reste à Liège. Ouais. Tant qu'on n'a pas dépassé au moins les 6 millions. Voilà. Ah, carrément. Oui, mais je reste alors, là. Moi, je suis voilà. Très bien ici. On va rester jusqu'à fin décembre. Voilà. Voilà. Mais notez qu'on n'est plus très loin. Retournez-vous juste quelques secondes. Et ben voilà, c'est parfait. Et ça, je trouve ça génial. 5 880 000 euros. Mais je trouve ça c'est magnifique, surtout. Vraiment. En ce moment, vraiment, c'est ce qu'on disait au début. Je trouve ça extraordinaire que vous soyez là. En ces temps compliqués, je trouve ça magnifique. Et il n'y a rien de plus beau que des êtres humains qui se tendent la main et qui se tiennent la main. Merci. Continuez à applaudir. Gardez vos applaudissements pour le call center, pour les Belges qui appellent. Pour tous les bénévoles aussi qui se mobilisent tout au long de l'année pour Cap 48. Et c'est pas terminé. Allez-y, acharnez-vous. Cap48.be. Allez, hop, sur le site. Allez faire un petit tour. Vous allez voir, c'est absolument fantastique. Et puis, comme vous le savez... Cap 48, c'est le handicap. Mais pas seulement. Nous aidons aussi les jeunes en difficulté. Comme en parlait d'ailleurs tout à l'heure Cédric Outhier. C'est le cas des témoins avec lesquels vous êtes en ce moment, Anne-Laure. Exactement. À mes côtés, il y a Sofiane et Consuelo. Voilà, vous allez voir que l'histoire qui lie ces deux-là est un peu particulière.